La borderline, ça dépend laquelle. Ça dépend la border de quoi. Je pense qu'il y a quasiment qu'une seule ou deux borderline qu'on ne peut pas passer, c'est l'honnêteté et la paresse. Ça, on ne peut pas être borderline là-dessus. Tout le reste, pour moi, c'est un devoir de dépasser le borderline. C'est un devoir parce que quelqu'un qui passerait sa vie à l'intérieur du borderline, à quoi sert-il ? Puisque l'homme n'existe pas en dehors de son évolution. Donc l'évolution, c'est toujours un mouvement vers plus loin. Donc on est forcé, chaque seconde, on a un devoir d'être borderline, mais de le dépasser. C'est là où on voit que le design n'est pas seulement le design, c'est d'abord une forme d'esprit, évidemment, mais c'est aussi une fantaisie. Qu'est-ce qu'on fait si on retourne un objet